Hello et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Une vidéo ultra spéciale et ultra cool car elle consiste en la présentation des lots pour le concours que j'organise pour les 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc déjà un grand grand merci à vous parce que c'est un cap de malade et j'en suis super contente. Et également un très 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 grand merci à tous ces sponsors incroyables avec des lots de ouf, vraiment de ouf. Donc un grand merci à eux et un grand merci à vous. Bref, merci à tout le monde, c'est trop cool. Donc je vais vous présenter un petit peu les lots à gagner. Ils sont mortels, vraiment, ils sont... Waouh! Il y a pas mal de lots. J'en ai recensé entre 60 et 70. Je crois qu'il y en a bien 70. Donc un truc assez barge. Et je vous avais expliqué dans la dernière vidéo de podcast que je cherchais un mot typique à mettre pour participer au concours. Et donc j'ai décidé que le mot clé serait... Champignons. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire, mais pourquoi tu mets pas à champignons? Bah ouais, pourquoi je mets pas à champignons? Parce que les champignons, c'est tout ce que je kiffe dans ma vie. Il y a le tricot et les champignons. Donc bientôt, il va falloir que je me fasse un pull avec des champignons. Je digresse carrément, mais tout ça pour dire que le mot-clé sera champignons. Je m'explique. Je vais vous faire la présentation des lots. Pour participer et tenter de gagner un lot, il faut me faire une petite phrase, un truc cool, sympa, enfin un commentaire avec le mot champignon dedans. Il serait fortement apprécié pour nos tricopines hors France de mentionner le pays dans lequel vous résidez pour que vous puissiez quand même bénéficier des lots, tous les lots qui seront surtout immatériels pour ne pas avoir à payer beaucoup de frais de port. Donc merci si vous habitez pas en France de mentionner où est-ce que vous habitez. Comme ça, quand je ferai le tirage au sort, vous pourrez quand même gagner des lots. Parce qu'on est quand même là pour gagner des lots. Et voilà. La seule chose que je ne vous ai pas dit, c'est juste que quand vous aurez le droit de participer. Donc là, j'ai mon calendrier. Donc la vidéo sortira le 8 mai. Je vous laisse jusqu'au... Je vous laisse 2 semaines, je vous laisse jusqu'au 22 mai et je publierai une vidéo de pour vous dire qui a gagné du coup autour du 25 mai. Donc j'écrirai tout dans la barre de description pour savoir comment participer. Donc on met un petit commentaire avec le mot champignon, on dit où est-ce qu'on réside et surtout il faut être abonné à ma chaîne. Donc commentaire plus être abonné et ça serait très très sympa de votre part si vous pouvez aussi aller suivre les sponsors sur Insta. Donc je vais vous mettre tous les liens en dessous pour les pages Insta des sponsors parce que bah c'est trop cool déjà pour les remercier qu'ils offrent des lots de ouf et bah voilà pour les faire connaître pour tout ça. Donc voilà. Je répète une dernière fois, un commentaire, on s'abonne à la chaîne et si, comme vous êtes super sympa, on s'abonne aussi sur Insta, pour ceux qui ont Insta, au sponsor. Voilà, c'est parti, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts? Moi, je suis au taquet. Alors, premier lot, enfin les 4 premiers lots, car il s'agit de Charlotte Stone, juste mon idole des chaussettes, en jacquard, qui offre très généreusement 4 patrons au choix dans sa patron tech. Donc très 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 cool. Donc on est déjà sur 4 premiers lots. Ce sont des chaussettes essentiellement tricotées en anglais. Mais clairement, avec les grilles de jacquard, tout le monde peut s'y mettre. Je ne suis pas la première à vous dire que j'adore faire des chaussettes en tricot. Surtout des chaussettes en jacquard. Donc si vous voulez vous essayer et même faire des modèles complètement dingues, voilà, un super lot pour vous essayer. Pour vous faire des très belles chaussettes. Voilà. Donc, merci Charlotte.
Deuxième lot, nous avons un superbe lot de chez Bulbe Bizarre qui offre très généreusement une pochette surprise. Donc son principe, pardon, de pochette surprise, c'est d'avoir un kit chaussette où on obtient un écheveau de 100 grammes et un mini et on ne sait absolument pas quelle couleur on a. Donc voilà, ça me donne très très envie, surtout qu'elle fait des couleurs de dingue. Je le sais parce que j'ai pris son calendrier de l'Avent. J'adore, 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 j'adore. On continue sur de la laine avec Atelier Roselia. Je vous en ai parlé notamment dans le dernier podcast sorti il y a quelques jours. Et donc, Atelier Roselia qui offre très très gentiment, oui généreusement, un écheveau de son coloris Splash of Color qui est absolument magnifique, qui est plein de couleurs. Donc un grand grand merci à elle. Il va y avoir beaucoup de merci dans cette vidéo parce que les lots, ils sont vraiment ouf. Donc là, on a fait 4, 5, 6, 7e lot. C'est ça, hein, j'ai compté. Ouais. 7e lot, ça vient de chez Tessa Collection. Et donc, on a un très beau lot. Donc, dans un seul lot, il y a 3 cadeaux, notamment 3 plaquettes de marqueurs. Sur la première plaquette de marqueurs, on va être sur des petits cœurs. J'ai l'impression que c'est des cœurs à paillettes absolument magnifiques. Et sur les deux autres, on a une goutte un petit peu travaillée sur les couleurs et avec un effet, je pense, de dentelle et des très, très belles chaussettes en dégradé. Donc, merci beaucoup à elle. Ensuite, nous avons un lot de chez la boutique Lily Comme Tout, boutique que j'adore, boutique avec laquelle j'ai collaboré pour faire ce magnifique bouquin et qui offre un kit chaussette également avec de la wool chip, qui est une laine pour faire des chaussettes. Et donc, c'est super cool. Encore un lot, je vais arrêter de les énumérer parce que j'avoue que je sais pas. Un très beau lot de chez Yarn by Simone. Un lot, encore une fois, de compète qui se compose de son tote bag avec le logo de sa marque. Un lot d'étiquettes pour accrocher sur les vêtements faits main. Je les ai toutes attachées, non, je les ai toutes achetées, notamment durant le CSF. Voilà, elles sont top. Et surtout, il y a aussi une carte cadeau de 50 euros dans sa boutique. Donc, c'est waouh, c'est waouh, c'est waouh. Ensuite, on repart sur des marqueurs avec Ars Mirabilia. Alors, Ars Mirabilia, elle fait également des marqueurs de tricot en pâte polymère. Comment ça s'appelle déjà? Pâte Fimo, je crois. Voilà, en pâte polymère et en plus elle lance en ce moment aussi des miniatures très réalistes et elle m'a demandé de choisir quel marqueur réaliste pourrait passer pour un lot et évidemment j'ai choisi un champignon, un petit champignon et donc il s'agira d'un marqueur champignon qui sont absolument sublimes et très 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 réalistes. On repart maintenant au niveau de la laine où on a teinture à laine, les laines qui ont du chien. C'est une laine que j'affectionne beaucoup. J'ai fait mon patron des chaussettes sur Imoy essentiellement avec leur laine, le coloris caméléon qui est parfaitement splendide. Et j'ai acheté aussi une quantité pull en orange où qu'il va falloir que je tricote. Bref, c'est des laines que j'adore et elle offre très très généreusement les deux écheveaux que vous pouvez voir là, je pense, dans base chaussettes, à vérifier. Donc, trop cool. On continue sur de la laine avec notre cher Didier qui offre deux lots. Donc, au fil de russe, c'est pour moi un teinturier qui va carrément autour de la couleur du peps. J'adore, notamment, c'est pour cela que je me suis inscrite à son calendrier de l'Avent qui va arriver, où il y a carrément pas de thème, pas d'indice, rien. C'est vas-y, fais-moi confiance. Et clairement, lui, c'est je lui fais confiance. J'ai jamais tricoté ses laines et j'ai tellement envie. Donc voilà, je suis très très contente qu'il sponsorise
mon concours. J'allais dire petit, non, pas du tout, mon super méga trop cool concours. Et il sponsorise avec deux chèques cadeaux dans sa boutique d'une valeur de 25 euros chacun. Trop bien. Nous continuons sur la laine avec Anne des Petits Points Parisiens qui offre très très généreusement aussi de la laine de sa boutique. Alors Anne, c'est très rigolo parce que je l'ai rencontrée quand j'habitais Paris et que je faisais des balades à Montmartre parce qu'avant son... Oui, c'est ça, Montmartre. Sa boutique était à Montmartre. Maintenant, elle a déménagé à la Défense, si je dis pas de bêtises. De bêtises. Et ses laines sont juste incroyables. Et la première fois que j'ai tricoté l'une de ses laines, c'était grâce à ma copine Séverine qui m'avait offert trois échevaux chez elle. Ah ben, regarde. Je le mets tellement que, voilà. Trois échevaux chez elle où je m'étais fait mon Whitmore cardigan avec. Et... Incroyable. C'est les laines de chez Anne sont tellement douces, tellement colorées comme il faut. Ils ont toujours le petit truc subtil, délicat, que j'adore. Et donc elle offre généreusement deux écheveaux de 100 grammes et les deux mini qu'il y a sur la photo. La couleur des mini est waouh. Et je me dis que ça va tellement bien avec les écheveaux de 100 grammes. Je suis trop jalouse. C'est incroyable. On repart, oui, on repart au niveau des designeuses, des designs de tricot grâce à Morissette C, qui fait quand même des patrons de malade. Moi, j'ai un gros coup de cœur sur un de ses patrons avec plein de torsades. Donc, il va falloir un jour que je m'y mette parce que lui, il me fait beaucoup d'œil, qui offre très généreusement un patron au choix dans sa patron-tech. Nous partons maintenant voir Inès Green, donc Frédéric, qui fait quand même elle aussi des merveilles absolument phénoménales, que j'ai découvertes grâce au concours que j'organisais pour le challenge Je termine les whips. Tu sais, le truc un petit peu abstrait que je faisais en janvier, qui était vas-y, viens, on commence rien, on fait que des trucs anciens. Voilà, là je suis en train d'alimenter pour le prochain. Alors, je vais pouvoir refaire un challenge. Et donc j'avais découvert ces laines à cette occasion parce qu'elle s'était gentiment proposée d'offrir un lot. Et elle m'en avait offert un écheveau aussi. Elle m'a offert un écheveau avec deux mini que je n'ai pas encore tricoté, tellement c'est beau, je les vois et pour le moment j'en fais rien. Elle avait sorti un coloris, il me semble que c'est pour le mois de mars ou février, Tipsy Love. Où j'ai complètement craqué sur 6 échevaux, donc 3 de Mérino et 3 de Mohair, que papy m'a d'ailleurs bobiné là ce week-end, donc je vais pouvoir faire mon petit échantillon. Tout ça pour dire qu'elle fait des couleurs absolument magnifiques. Et là, elle vous offre très gentiment un kit de Lana Chaussette de couleurs tellement printanières. Vraiment, j'ai eu un bug. C'est pour me dire que j'ai plus beaucoup de batterie. Ah, faut que je me dépêche. Donc des couleurs tellement printanières, j'adore. Vraiment tout ce que j'aime. On a également une très belle rencontre que j'ai rencontrée, une gentille dame que j'ai rencontrée au Nitit, la deuxième fois que je l'ai fait quand j'y suis allée avec ma maman, qui a une boutique en Suisse. Plus précisément à Bulle. vraiment, on l'a rencontrée avec maman au premier Nitit. On l'a revue au Nitit l'année dernière. J'ai qu'une envie, c'est de la revoir au Nitit l'année prochaine. Vraiment, à chaque fois qu'on se croise, c'est beaucoup de partage et d'amour au niveau de la laine, mais c'est vraiment les très très belles rencontres que tu fais au niveau du tricot. Et donc, cette gentille dame tient une boutique de laine en Suisse qui s'appelle Lainitude. Et qui offre très généreusement un écheveau de HHF, soit Hedgehog Fibers. Et c'est la petite photo en bas à gauche du coloris qui est tout simplement incroyable. Enfin, si tu es sur cette chaîne et que tu es déjà venu, tu sais que la couleur et moi, c'est une histoire d'amour. Et ce que j'adore, c'est que tous les lots qu'on a sont pleins de couleurs et d'amour. Donc c'est trop bien. Ensuite, nous avons sur le fil de Bina, et je vous en ai également parlé, c'est une teinture dont je vous ai également parlé
Je suis désolée, c'est après le boulot, là, j'ai un peu de mal. Sur le podcast de la semaine dernière, parce que Mathieu m'a très gentiment fait des chaussettes tubes avec des laines que j'avais reçues de sa part, qui offrent un chèque cadeau, une carte cadeau de 20 euros sur sa boutique. Clairement, allez y faire un tour. Hein. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Toujours dans des lots. Superbe, nous avons Eve, donc de Atelier EV3, qui offre un magnifique écheveau que je ne connais pas la couleur, mais comme ça vient de Eve, on va dire, bah voilà, qu'il est magnifique évidemment. Un magnifique écheveau, et un lot de marqueurs sur sa boutique. Donc ça sera un cadeau un petit peu surprise. Mais tu sais ce qu'il y a, mais tu sais pas la couleur. Ça va être cool, hein. Ensuite, nous avons notre fabuleuse Nadia Crétin, les chaînes. Franchement, une designeuse plus que compétente, même incroyable, surtout au niveau des châles. Moi, j'adore ces châles. Vraiment, bah là, du coup, depuis le début de l'année, j'en ai quand même fait deux, trois, trois. J'en ai fait trois. J'adore, j'adore, j'adore. Et elle nous régale parce qu'elle offre très gentiment trois patrons au choix dans sa patron-tech. Donc, carrément incroyable. On ne s'arrête pas là. Je vous fais pas peur, mais on n'est même pas à la moitié de l'eau. Vraiment. Et maintenant, on part chez Wooliette. Wooliette qui offre elle aussi un lot incroyable. Elle offre 4 écheveaux de sa base fingering Portofino et de lace. Donc, à mon avis, c'est 2 et 2. Dans ce verre absolument sublime qui s'appelle Combo Verde. Moi, j'ai le verre de Yard by Simone, mais toi, tu sais que j'adore le verre et ce verre, il paraît incroyable. Donc, franchement, ce lot, il est ouf, ouf, ouf. J'adore. On part sur un nouveau lot. De la boutique, le grossi, la boutique plutôt, Perle à croquer. Qui offre un lot évidemment. Donc Perle à croquer, je les ai découverts grâce à Insta. Ils étaient venus me contacter pour m'offrir des embouts en silicone pour être stoppeur de mailles. Et eux, ils se caractérisent notamment par des perles en silicone et ils se sont rendus compte que leurs perles en silicone étaient carrément utilisables dans la tricosphère et ils offrent très gentiment 10 perles, donc en fait l'équivalent de 5 paires d'embouts à stoppeur d'aiguille et en plus on peut choisir lesquels en question. Donc c'est trop trop bien, franchement c'est trop trop bien. On a encore un beau lot. Donc on a Nathalie de By Night Création qui offre ultra généreusement 3 patrons au choix dans sa patron tech. Moi je les vois souvent tourner et je les trouve très très beaux. Surtout le châle là que je vous ai mis à l'écran, je le trouve très très joli. Donc merci beaucoup Nathalie. On continue dans les tricots, dans les designs de tricots et on part vers même les anges tricotent. Elle aussi, son châle, une brioche pour l'été était absolument fabuleux, qui offre également 3 patrons au choix dans sa patron tech, donc trop trop génial. De quoi tricoter encore mieux si c'est avec les laines de son stage, ça serait cool. Un autre lot qui me tient particulièrement à cœur, ça vient de Hélène, donc de la marque Hélène Fabrics. Une vraie rencontre également du Knit It de l'année dernière, où j'avais complètement craqué pour l'une de ses trousses. Donc une trousse multicolore à fleurs que j'ai adorée, qu'elle m'a dit que pareil, vous avez été nombreuses à lui demander aussi votre trousse avec le même tissu que moi. Donc ça m'avait énormément touchée. Et elle aussi, à tel point que c'est le lot qu'elle vous offre de gagner à ce concours. Donc cette magnifique trousse qui a été vecteur de tellement de rencontres et d'amitié avec elle, en fait, de tellement de... Voilà, de gentillesse et d'amour tricotesque. Et donc ce lot, déjà, il a une petite histoire et en plus de ça, il est complètement sensationnel. Nous avons également un lot de Virginie, ma copine sur la rive côte Hélène,
Alors, elle est sur les routes en train de faire tous les festivals. C'est pas grave, Virginie, t'inquiète pas. Et donc, elle m'a donné pour le moment pas de visuel ni de savoir quel était le lot en question. Je pense que d'ici à ce qu'on tire les. Comment ça s'appelle? Les vainqueurs, on saura qui a gagné quoi. Mais je sais qu'elle participe. Donc, un grand, grand, grand merci à toi, Virginie. Ensuite, nous allons sur de l'accessoire tricot encore avec l'atelier de Calixen. L'atelier de Calixen, je l'avais découverte où chaque tricote parce que ben voilà, elle revendait ses marqueurs et j'avais complètement adoré. J'en avais même ramené un à ma maman. J'aimais beaucoup et elle est super généreuse parce qu'elle vous offre trois lots où dans chaque lot on comprend les marqueurs, les très beaux marqueurs qui sentent les vacances que vous pouvez voir et également un compteur de rang. Je vous ai pas mis l'image, donc ça vous met une petite surprise sur le thème du printemps également, plus précisément sur le thème des abeilles. Je dis ça, je dis rien. Donc encore trois magnifiques lots. On repart au niveau des designs grâce à la belle, fabuleuse, l'unique atelier Émilie, Émilie Louis, qui offre très gentiment deux patrons au choix de sa patron-tech. Pareil, atelier Émilie, je suis en train de tricoter un gilet d'elle, le Falaisia, le gilet de mariage pour ma copine, et j'adore. Donc, si vous ne connaissez pas ses patrons, vous n'avez jamais tricoté ses patrons, allez faire un tour déjà, parce que elle fait des patrons de ouf. Mais en plus, ils sont super bien expliqués. Ils sont vraiment super bien expliqués. On continue avec encore une rencontre. En fait, c'est rigolo parce que, ben voilà, tous ces lots, ils ont une petite histoire. J'adore. On continue avec Création Solognotte. Une rencontre très rigolo et complètement improbable. Où j'étais chez le grand-père de mon chéri en Bourgogne. Enfin, vraiment un bled perdu. Mais vraiment un endroit complètement perdu. Et son grand-père m'avait dit, au fait, Lisandre, je sais pas si tu sais, mais il y a la fête de la laine dans le tout petit patelin à côté. Ah ouais, il y a la fête de la laine. Vous êtes sûr, mon papa? Oui, il faudrait que tu ailles faire un tour. Ok, je me dis, il va y avoir que des trucs très très locaux avec des laines très très rustiques. Ça va pas m'apporter grand-chose. Mais bon, ok, on va y aller. Et en fait, pas du tout, c'était un truc super bien, avec des vrais échevaux teints à la main, et avec également des accessoires de tricot ultra dingues. Et j'avais acquis, je crois que je les ai vus là. C'est tombé! J'avais acquis des petites étiquettes en cuir à mettre sur les bonnets, je me suis toujours pas servie. Et également une règle à chaussettes que j'utilise vraiment. Hein. Tout le temps, je l'utilise tout le temps. Et très gentiment, elle vous offre également une règle à chaussettes, la même que moi, pour vous aider à faire vos chaussettes, parce qu'évidemment, si vous ne le savez pas, il faut faire des chaussettes, parce que les chaussettes, c'est la vie, surtout les chaussettes tricotées. Donc trop trop cool. En parlant de chaussettes, nous allons rester sur le thème, grâce à Christelle, d'Emma et moi, qui fait quand même des patrons de chaussettes absolument exceptionnels et qui offre très généreusement 5 patrons au choix, donc pour 5 personnes différentes, donc encore plein de lots, encore plein de possibilités de gagner dans sa patron-tech. On part maintenant de nouveau sur une très très jolie boutique de laine, donc chez Coxifil, qui offre un très très joli lot composé d'un écheveau de 50 grammes de laine à chaussettes, teint par Balibou, et des marqueurs exclusifs de sa boutique, parce que le logo de sa boutique, c'est une petite coccinelle avec 4 trous comme pour faire un bouton, et les petits anneaux marqueurs sont totalement en raccord avec le logo. C'est trop trop mignon. On continue sur les chaussettes avec Élise D'Amour Design. Donc elle fait quand même des patrons absolument fabuleux et j'aime énormément sa collection sur les chaussettes de Noël que vous pouvez d'ailleurs voir à l'écran. Et elle offre un patron au choix à la gagnante de son lot. Donc de quoi se faire ces trop trop belles chaussettes. Vous avez été pas mal à m'en offrir de chez elle. On va pas se mentir, il faut absolument que j'en fasse un cette année. Ils me font trop envie.
une très jolie teinturière dont j'aimerais découvrir le travail, mais vraiment où j'en entends parler, je vois les posts sur Insta qui me donnent envie. Il s'agit de Lily sur un fil et elle offre, pardon, excusez-moi, très généreusement un joli kit à chaussettes. Je dis joli parce que bah les beautés qu'elles font sont juste incroyables et surtout je n'ai aucune idée des couleurs. Donc là encore une fois, c'est un petit lot surprise. Toujours, j'allais dire toujours dans le monde du tricot, évidemment, parce que c'est majoritairement des lots que en raccord avec le tricot. On part chez Lucienne Tricote, qui offre donc très talentueuse tricoteuse et surtout designeuse de patrons de tricot, autant dans les hauts, donc dans les pulls, que dans les tops d'été, que dans les chaussettes. Enfin bref, la nana, elle est juste waouh quoi, elle réussit tout. Qui offre très gentiment un patron au choix de sa patronne tech. Et moi j'ai un gros gros coup de cœur là. Il me semble qu'il s'appelle le pull romance. J'espère que je ne dis pas des bêtises. Mais ce patron-là est très 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 beau. Un petit peu de laine, nous partons chez Lu. J'ai réussi à faire une phrase. Nous partons chez Lubiloud. En fait, j'ai voulu faire un petit jeu de mots et j'ai galéré à parler. Ben, voilà. Qui offre ce magnifique kit à chaussettes. Regardez-moi un peu la couleur de ce travail. Le raccord entre le mini et l'écheveau de 100 grammes, je le trouve fabuleux. Et ce petit marqueur de café pour un instant cocooning, on adore. Ce lot est sublime. Dans la famille designeuse française que je kiffe de ouf, je vous présente le style knitting qui offre également un choix, j'allais dire un très beau patron. Ils sont tous magnifiques. Un patron au choix de sa patronne tech. Et je vous ai mis le dernier qui est sorti que je trouve incroyable. J'ai un gros doute sur le nom. Bravo Lisandre, de sa marinière, ouais, allez, petite pirouette, parce que je galère, de sa marinière que fait actuellement Lauriane de l'eau demoiselle. Donc si vous voulez vous inspirer au niveau des couleurs, surtout, allez voir ce qu'elle fait. On a également un très très beau lot de l'écheveau solidaire qui offre un kit chaussettes au coloris surprise. Vous ne saurez pas ce que vous avez. Tant que vous n'aurez pas ouvert votre boîte aux lettres, j'adore. Ce que j'adore, déjà, c'est leur coloris très nature. Pour moi, nature. C'est pas très excessif. Mais c'est surtout, regarde-moi, le détail. L'étiquette, elle me fait waouh. Vraiment. Ça fait partie des teinturières de laine où j'adore leurs étiquettes. Vraiment. Les chevaux solidaires, il y a aussi Maison Corlaine, où leurs étiquettes, je les trouve incroyables. Enfin, je sais pas, leur étiquette, tu sens que l'écheveau, il est précieux, quoi. Donc voilà, un très joli lot. On continue avec la Roseraie Yarn, qui, il me semble que je l'ai découverte sur la laine, j'espère ne pas dire la bêtise, sur la chaîne de Lauriane également. J'espère vraiment pas dire de bêtises. Ah mais je suis très contente parce que apparemment, elle me disait qu'elle allait faire le salon du Knit It cette année. Donc je vais pouvoir voir. Qui offre ce magnifique écheveau de 100 grammes dans le coloris Blooming. Encore un écheveau au coloris incroyable sur le thème du printemps, qui est quand même ma saison préférée. C'est trop, trop cool. Encore dans les teinturières de talent que nous avons en France, il s'agit de Laine de Mout qui offre ce magnifique kit à chaussettes du prénom, non. Où le nom de ce kit se nomme Love, avec voilà des laines en nuances, mais qui vont tellement bien ensemble, tellement complémentaires. J'adore, franchement, j'adore, j'adore. On continue, encore avec un petit peu de laine, avec notre chère Christelle de Tricot et Stitch qui offre encore un magnifique lot. Deux écheveaux de Suri et Soie dans son coloris Cocooning. Oh là là, rien que le nom, j'ai envie de me mettre dans mon
canapé, de tricoter. Et puis en plus, la souris au soie, c'est tellement doux. Déjà, sa laine à chaussettes que j'ai tricotée pour mes chaussettes Guadeloupe était incroyablement douce. Mais à mon avis, sa souris au soie, elle doit être incroyable. Donc un lot, trop bien, trop, trop bien. Ensuite, encore sur une teinturière, et une teinturière que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, parce qu'il y avait un festival à côté de chez moi et elle était là. Il s'agit de une maille à la fois. Pardon. Il s'agit de une maille à la fois qui offre 100 grammes de laine. Donc c'est de la laine à chaussettes. La nature Karikai, j'espère que je le dis, prononce très bien, qui est encore une fois, une laine ultra colorée, ultra peps, donc sur une base assez crème nature avec ses speckles super colorés, un petit peu fluo. Ça fait des chaussettes de folie. Moi, j'aurais bien envie de faire un jacquard avec genre du violet foncé, tu vois, du violet foncé presque fluo ou du rose fluo foncé. Ça serait et tu mets cet écheveau là pour le fond, ça serait ouf. Mais vraiment ouf. Un autre lot, toujours chez une teinturière de talons, que je n'ai encore jamais découvert, mais j'entends parler par-ci par-là dans les podcasts, c'est Garance et compagnie. J'en ai vu encore une fois pas mal sur le podcast de Lot Demoiselle. Salut Lauriane, je pense que tu as compris, après tout ce que je raconte, que je passe ma vie à regarder tes vlogs, en fait. Et Garance et compagnie qui offrent très gentiment un bon cadeau, donc un chèque cadeau d'une valeur de 20 euros dans sa boutique. De quoi se faire plaisir au max. Dans les belles rencontres, il y a aussi Alice Gerfaux, donc designeuse également de talent dans la tricosphère française et francophone d'ailleurs. Moi, je l'ai découverte il y a pas mal de temps. Et j'ai testé récemment pour elle son gilet Little Fox Baby que j'avais tricoté deux fois pour des cadeaux de naissance et que j'ai tricoté taille 4 ans pour son test quand elle a augmenté son nombre de tailles. Et elle vous offre du coup super généreusement le patron pour faire ce fameux pull que j'adore qui est incroyable. Si t'as des loulous dans ta famille, si t'as des cadeaux de naissance à faire. Vas-y, vas-y, j'adore, il utilise des restes, il utilise peu de laine, il est super bien expliqué, il est trop canon. Voilà. Encore un très très beau lot, il s'agit de Sabine de Ars Natura qui offre un bon d'achat de 30 euros dans sa boutique. Je vous ai mis comme photo la première commande que j'ai passée chez elle avec son coloris fruit d'été. Coloris absolument incroyable, que j'ai mis absolument partout dans mes tricots d'ailleurs. C'est un écheveau de 100 grammes et j'en ai dans au moins 3 ou 4 projets différents, notamment dans mon set de mes chaussettes de Charlotte Stone, flamant rose et les crevettes. Donc c'est ce fabuleux coloris que j'ai mis dedans. Et c'est surtout que sa laine à chaussettes est douce, mais elle est tellement douce. Donc avec 30 balles, t'as quand même de quoi te faire un très beau cadeau. On continue pour de la laine avec un très beau kit à chaussettes de chez Eline Hélène. Donc de la couleur, mais là tout en douceur. J'adore. Donc son coloris Sweet Unicorn, qui veut tout dire. Vraiment ce côté romantique, subtil, mais avec de la couleur, parce que bon, la couleur c'est la vie. Un très très beau kit à chaussettes que j'aime vraiment beaucoup. On retourne au niveau des boutiques de laine. Et là, c'est Anna de Lana et Tricot. Donc, mon QG grenoblois, la boutique de référence de tout grenoblois qui se respecte, qui offre un très beau lot, pardon, avec un bon cadeau de 30 euros dans sa boutique. Donc, ça, tout simplement incroyable également. On reste sur les QG locaux. Notamment mon QG de Bordeaux, la boutique Timeco Tissu qui se localise à La Traîne, donc un peu en périphérie de Bordeaux, mais que j'adore. Dès que je vais sur Bordeaux voir mes parents, on y passe, où il y a des tricotés, où il se passe beaucoup de choses là-bas, qui offre un très beau kit pour faire un châle
avec 200 grammes de coton bio de Katia et les explications. En vrai, je trouve que le châle est très sympa. Si la laine fait les fameuses rayures comme on voit sur le patron, c'est très très cool. Ensuite, nous avons une autre boutique QG, mais quand je passe à Paris, il s'agit de Lil Weasel, qui offre deux magnifiques écheveaux de sa base Sock Yarn. Magnifique. Tellement variés, tellement colorés. Trop trop beau. Lil Weasel, dès que j'ai un petit temps à Paris, donc là je sais que bientôt je vais devoir faire un petit week-end parisien avec mon chéri au mois de juin, je sais que je vais y passer. Je sais que dès que j'ai une correspondance à Paris où genre j'ai 1 heure et demie, je fonce, vraiment je fonce, je débarque chez eux, j'ai des sacs à dos, ça tape de partout, j'en fous partout, je suis là, désolée, désolée, mais vous comprenez qu'il y avait urgence laineuse. Donc encore un QG de folie. Un autre lot actuel, enfin vraiment incroyable, de chez Catherine, Madeleine et Philibert, qui fait partie des teinturières qui m'ont fait confiance dès le début avec Virginie sur la rive côté laine, qui sont les teinturières copines de notre tricoté de Biscarrosse, donc en dessous de Bordeaux. Les laines de Madeleine et Philibert, ça faisait partie des premières laines de teinturières que j'avais tricotées. Donc vraiment, j'adore. Et elle offre ce magnifique kit à chaussettes très coloré, très... Voilà, il y a de la couleur, mais je trouve que ça fait penser à la mer. C'est les couleurs du sable et tout. J'aime vraiment beaucoup, c'est très subtil. Et j'avais fait avec elle le patron des chaussettes élastomères qui a d'ailleurs super bien fonctionné. Et c'est elle qui m'avait fait confiance pour lancer cette collab. Donc j'étais trop trop contente. Et ce lot est très très cool. Ensuite, dans un lot encore très très cool, un QG de boutique quand tu passes à Lyon, il s'agit de Pompon Girl Mercerie. Boutique à la devanture très, j'allais dire vintage, non, tu sais, c'est un peu avec du bois, des très travaillé, t'as envie d'y aller. Vraiment, tu sais que quand tu y vas, déjà la devanture elle est belle, l'intérieur est juste waouh! Il y a des beautés, elle fait quand même beaucoup de laine de teinturier. Si tu passes par Lyon, vraiment, vas-y, c'est un lieu de perdition extrême. Et elle offre très gentiment un écheveau de Lit LG. Donc Lit LG, c'est... On a été coupé, évidemment, je n'ai plus que 10% de batterie, il faut que ça se dépêche. Donc ce lot est très très beau avec un très bel écheveau de Life in the Long Grass qui est des laines très... soit unicolore, mais tout en variation et en subtilité, ou soit avec beaucoup de nuances et des speckles incroyables. On arrive à la fin, l'avant-dernier lot. Il y a deux lots à gagner de la part de cette teinturière de talent qui est Laine et Chaudron. Alors elle offre trois écheveaux de base Achillée, donc c'est une base avec 90% de mérino et 10% de lin. Donc ce coloris, je sais pas comment il s'appelle, mais j'ai envie de l'appeler pétale. J'avais envie de l'appeler romance. Vraiment un truc très romantique, un petit rose un peu délavé. Donc de quoi se faire un super top d'été, un super gilet en fingering, vraiment très très romantique. Et un autre lot avec ses marqueurs de tricot sur l'épingle là, qui sont très très canons également. Je rajoute un petit peu, je suis au boulot un petit peu à l'arrache. J'ai reçu des nouvelles pour un dernier lot, donc je vous mets ici, qui est un lot de Atelier Teinture. Et elle vous offre un magnifique lot composé de deux écheveaux de Suprême DK, donc le coloris Chamallow et Lichen. Et encore une fois, pardon, l'Atelier Teinture, c'est une belle rencontre. Moi, c'était du knitit. Il me semble que c'était le deuxième knitit que j'avais fait et j'avais complètement craqué sur les boutons qu'elle fait en résine. Ils sont absolument magnifiques. Je lui en avais acheté plusieurs que d'ailleurs j'ai toujours pas mis tellement j'attends d'avoir l'ouvrage parfait pour les mettre. Donc, si vous connaissez pas, allez jeter un coup d'œil. Elle fait des très très beaux coloris, franchement incroyables, et des très très beaux boutons aussi avec des feuilles d'or en résine et tout ça. Donc voilà.
Et pour finir, je ne pouvais pas faire un concours sans moi-même vous remercier et vous offrir des lots. Et donc, j'aimerais offrir 10 patrons au choix, donc 10 lots à 10 personnes différentes. Donc, offrir 10 patrons, 10 de mes patrons à vous. Alors, évidemment, si je pouvais, j'en offrirais à tout le monde. Mais bon, il y a déjà quand même pas mal de lots à gagner. Et voilà. Donc, un grand, grand merci d'être resté jusqu'à la fin de la présentation de ces lots. On est d'accord que c'est un truc de dingue quand même. Toutes ces personnes qui offrent quand même des lots de malades, il y a de quoi se faire des très 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 beaux cadeaux. Pour participer, je vous le rappelle, on met un petit commentaire sous cette vidéo avec le mot code, le mot magique champignon. Si on n'habite pas en France, on écrit d'où est-ce qu'on vient. Un petit like sur la vidéo, ça serait top. Il faut être abonné. Mais bon, je pense que ça, vous le savez. Et pour remercier tous ces sponsors incroyables, ça ce serait exceptionnel et très très gentil de votre part d'aller au moins les suivre pour ceux qui ont Instagram. Donc je vous mets toute la liste en bas, ça serait vraiment très très sympa pour eux. Et bon, tirage au sort avec, je vais réussir à faire une phrase, fin des participations le mercredi 22 mai. Et la vidéo de qui a gagné quel lot qui sortira le 25 mai. Bon, à vos commentaires, qui va écrire quoi sur les champignons? Ah ah ah! Bye!